Bonjour tout le monde, bien voilà, on se retrouve enfin pour découvrir donc ma Glossy Box du mois de juillet et la box en édition illimitée USA que j'ai reçue donc ensemble, ficelée ensemble. Donc je viens de la recevoir, on est le 21, donc en fait je fais une vidéo pour les deux box parce que vu la date, en plus j'ai déjà vu le contenu sur le site Glossy Box où j'avais déjà en fait mon questionnaire et puis la spéciale USA, on connaissait déjà le contenu sur le site Glossy Box. Donc voilà la Glossy Box du mois de juillet qu'on va commencer à découvrir ensemble. Donc le thème était Bohème des beaux jours, donc une jolie carte avec de jolies couleurs un peu bleu lavande comme ça et couleur rose rose peau. Et puis le joli petit glossy, le glossy magazine aussi où la fille porte justement le même style de vêtements, le même type de dessin. Et donc voilà, le petit glossy, je pense toujours aussi sympathique. Donc on va découvrir les produits. Donc j'ai dans ma box donc une jolie huile exfoliante confort pour le corps, pour peau sèche à tendance atopique, c'est ça. Donc voilà. Bon, alors j'ai pas forcément la peau, j'ai la peau sèche, mais peut-être pas non plus à tendance atopique. Mais bon, ça peut servir. Voilà, c'est un exfoliant pour le corps et en plus un gros tube de 150 millilitres. Donc on va regarder. C'est un full size à 8,90 €. Ah, donc c'est un full size donc de la marque Leno. Donc il est on va peut-être sentir quand même. Alors, bon, l'odeur est particulière, ça va me dire un peu le cacao que ça sent, enfin je sais pas trop, mais l'odeur est un petit peu particulière. Donc bon, voilà. Après ça reste un gommage donc Ensuite, je vois que j'ai une petite boîte, un petit bronzer de la marque Model & Co. Alors, je ne mets pas de bronzer, mais bon, voilà, pourquoi pas. Après, la teinte, je ne sais pas. Il faudrait que je m'essaye à la maison parce que comme j'en ai jamais mis, j'aurais peur de ressembler à rien. Donc, c'est un 3,6 grammes. C'est un full size à 18 €. Vache. Donc, bon, bah, ok. Après, à voir si je l'utilise vraiment parce que... C'est chaud. Si je l'utilise vraiment parce que bon, j'en ai jamais porté. Ensuite, Mango. Donc là, c'est un petit tube de crème pour les mains de la marque Figan Rouge. Donc j'ai eu déjà dans une box spéciale, une édition spéciale déjà de Glossy Box, un gros tube. Alors, par contre, ça devait pas, c'était pas Mango et Mandarine. Le tube est pas là d'ailleurs, mais il doit être pas très loin. Donc, le full size de 80 ml était à 10 €. Donc là, nous avons. On va y arriver. 20 ml. Donc, on divise par 4. Ça fait 2 €. Peu près. Un petit peu plus de 2 €. Ok. Bon, ça peut être utile. En plus, ce petit format-là, du coup, on peut le laisser dans le sac. Oui, pourquoi pas. Après, voilà, cette marque est une très bonne marque pour les mains, donc je suis plutôt contente. Ensuite, je vois Sous Suzanne, palette correctrice. Ah, ça, c'est sympa, ça, j'avais vu. Et du coup, ça m'intéressait. Donc, apparemment, c'est une palette de différentes couleurs et qui va permettre, en fait, un peu de modifier, de corriger donc, les cernes et puis les différentes petites traces. Voilà, moi, j'ai des petites taches brunes là sur le front dès que le soleil apparaît. Comme des sortes, comme un masque de grossesse que j'ai pu avoir, qui est apparu quand j'étais enceinte. Et du coup, qui a du mal à disparaître dès que le soleil réapparaît, ça réapparaît aussi. Donc, super. Enfin, voilà. Minute, je vous raconte ma vie. Ensuite, donc je finis par le goodies à la fin. Bon, après, tout le monde était au courant. J'avais déjà vu le goodies partout sur Internet avant d'avoir reçu ma box. Donc, Ensuite, nous avons le petit rituel. Donc, je l'ai vu, j'avais envie de l'avoir. Le nouveau rituel beauté. Donc, voilà, c'est une petite plaquette avec de DHC. Donc, avec un petit rituel avec quatre petits échantillons pour un petit rituel. Voilà. Et donc, du coup, bah, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, étape 1, démaquiller en douceur. Étape 2, le savon transparent adoucissant. Étape 3, la lotion douce. Et l'étape 4, c'était l'huile d'olive vierge.
hydrater et protéger la peau. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, j'espère que ces mini dosettes vont me permettre de bien pouvoir tester quand même les produits. Et du coup, bah voilà, pourquoi pas après acheter en plus grand ou en full size. Donc là, par contre, donc le coffret de 4 tubes, c'est 72 euros. Donc là, ça fait cher. Mais il propose 20% sur l'huile démaquillante, apparemment, sur le site. Et puis voilà, donc du coup, on n'a pas forcément le prix. Ah, la petite palette correctrice, je ne vous ai pas donné le nom. Le prix, donc là, c'était un full size aussi. Et donc 21,35 €. C'est pas donné. Pourtant, ça fait un peu cheap, hein, moi, je trouve, la petite boîte transparente comme ça, blanche et transparente. C'est un peu cheap. Et un peu bas de gamme. Mais voilà, c'est So Suzanne Cosmetics, et 21,35 €. Donc plus ça. Et donc, le goodies, c'est donc une paire de lunettes vertes. Voilà. Avec, alors, bon, moi, non, je ne mettrai pas. Hein, donc, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, la pochette, voilà, sous la marque rose et avec Glossy dessus. Donc, ça, par contre, ça, c'est top. Bon, je ne vais pas s'ouvrir. C'est encore dans son emballage. Donc, ça, par contre, ça va me servir. Donc voilà, bah, plutôt, bah, voilà, les sympas. Après, il y a peut-être un ou deux un produit qui ne servira pas, le bronzer. Mais sinon, dans l'ensemble, eh bien, elle me plaît bien. Des choses que je ne connaissais pas, à part la crème pour les mains, mais bon, je suis contente d'en avoir une deuxième à ce format-là. Voilà, donc on va passer donc sur la box USA. Donc voilà, on peut voir, hein, donc il y avait juste magnifique, hein. Vraiment magnifique cette box. La boîte, c'est sûr, je la garde. Donc, les emballages ont un peu souffert apparemment, hein, déjà sur l'autre. Donc, nous avons la petite carte édition Star Trip. Et donc, je suppose que c'est le menu. Voilà, on y retrouve donc le menu. Donc, je crois qu'il y a des produits pour les cheveux, ça tombe bien. Voilà. Tout dans le petit détail, hein. Donc, hop, hop. Par contre, là, c'est bien rangé. Je vous montre quand même. C'est super bien rangé, hein, ça n'a pas bougé. Donc, on avait. Ah, c'est tout petit. Je pensais. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Donc, on a le duo, mais je pense que ça compte pour deux produits de Redken. Donc, un shampoing et un après-shampoing. Diamond Oil, donc à l'huile d'or. Voilà. Un shampoing, un après-shampoing, donc 50 millilitres et 30 millilitres pour l'après-shampoing. Donc, je testerai, hein, de toute façon, j'adore ça, moi. Je suis toujours fan des produits pour les cheveux, donc ça, je suis plutôt contente. Il n'y a pas les prix, par contre. Donc, j'essaierai de vous retrouver donc les prix, parce que je sais où on peut les trouver sur des sites internet, et j'essaierai de vous trouver et puis refaire le calcul par rapport à la taille des produits où je vous les mettrai dans le coin, là. Ensuite, nous avons un primer eyeshadow. Ah, ça, trop cool, oui, j'étais contente. Un primer. Alors, moi, j'utilise mon must, c'est le primer Laura Mercier pour les yeux. Et donc, du coup, bah, là, j'étais bien contente de pouvoir en tester un autre. C'est de la marque Absolute, New York. Hop, dans le bon sens, ça peut être mieux, ça peut servir. S'il veut bien. Non, il ne veut pas. Primer, voilà. Donc, c'est un 7,9 grammes. Bon, toujours pareil, hein, il n'y a pas de marque. Base pour fard à paupières, donc Absolute New York. Bon, donc, c'est un petit bateau en mousse. Donc, ça aussi, c'est super pratique pour utiliser. Donc, pareil, si j'arrive à vous retrouver le prix, je suis pas sûre, mais bon. Donc, nous avons. Là, je pense que c'est un full size. Hein, donc, c'est un vernis de la marque Color Club, donc plutôt connu. Et là, c'est la couleur Bright Night 993. Je vais y arriver.
Non, mais il veut pas. Décidément, j'ai un petit souci aujourd'hui avec la lumière, je pense. Il n'a pas envie. Donc voilà, c'est un magnifique. Oh, alors là, il est plus clair que. Non, il est beaucoup, beaucoup plus foncé que ce que vous pouvez voir. Il est plus bleu marine que voilà, bleu. Pourtant, mon t-shirt, c'est la couleur que je vois. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus foncé. C'est encore un petit peu plus foncé que ce que vous pouvez voir ici. Donc voilà. On va y arriver hein, avec la couleur. Hein. Donc voilà, par contre, la couleur, j'aime bien le bleu, mais je suis pas sûre celui-là. Il vire entre le bleu roi, bleu électrique, mais plus foncé que le bleu électrique. Peut-être un bleu roi, je sais pas. Mais du coup, je suis pas sûre que ça va être facile à porter. On verra bien. Donc ensuite, nous avons de Sumita. Tiens, on avait déjà eu un produit, je sais plus si c'est dans la Glossy ou Birchbox, un crayon. Donc là, on a de nouveau un crayon brun, je pense. Champagne Eyeshadow Pencil. Donc c'est un crayon ombre à paupières. Accentué permet en mettre en valeur votre crayon. Alors donc c'est une couleur brune. Donc ça c'est top. Voilà, couleur brune. Donc ça j'ai hâte de tester aussi. La marque Sumita. Donc c'est connu. Décidément, il veut pas. Je suis contente. Donc de toute cette box, tout me plaît, à part peut-être le vernis, mais bon, à la limite, j'adore les vernis, donc ça m'en fera juste un de plus. Hein. Et donc la dernière chose que j'étais contente d'avoir aussi, c'est un top coat. Un top coat. Je sais pas comment on dit. Non, je vous le montre. Voilà. Un top coat. Je cherche mon nom. Voilà, un vernis de protection accélérateur de séchage à appliquer sur tout le vernis. Voilà, donc c'est un accélérateur de séchage. Et ça, c'est cool, j'avais justement envie de tester ce genre de choses. J'ai encore jamais testé. Et donc, du coup, j'ai hâte aussi de voir un peu le résultat de cette marque que je ne connais pas du tout, par contre. Donc, pareil, j'essaierai de vous retrouver le prix si j'arrive à trouver, par contre, celui-là. Car je connais pas cette marque, donc je vous retirerai. Donc voilà, la boîte est finie, donc le petit papier était rouge et tout. Enfin, la box en tout cas est très jolie. Je suis super contente de la box USA. Franchement, moi je la trouve top. Bon, j'aurais voulu que les produits soient un tout petit peu plus grands, mais bon, voilà, pour le prix dans les 15 euros, je crois que je l'ai payé 15,50 €. Donc j'en suis contente. Donc mes deux box de juillet, super contente. Dommage de les avoir eues un petit peu plus tard. Donc dites-moi ce que vous avez reçu si vous l'avez reçu. Et puis sinon, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine box. Ciao!